Et voilà, comme convenu, donc j'active le chrono et on est parti pour l'épisode 6. Donc un petit peu casse-tête celui-ci. Donc on avait fait le tour du laboratoire. Et on est parti donc pour... si je dis pas de bêtises, par là, voilà, le local électrique. On va attendre que l'arc se casse, voilà, on est parti. M'en douter. Et hop, tout en souplesse. Un esprit sain dans un porc sain. Un esprit sain dans un porc sain. C'est lui qui fait quoi? Allez, hop. Il faudrait pouvoir l'orienter comme il faut. Ouais, mais non, de l'autre sens, je voulais. Voilà. Et puis on va prendre par là. Voilà, alors le truc complètement impossible, c'est voilà l'électricité qui est redirigée comme ça par un ventilo. Ouais, c'est... Voilà, bon, fallait bien trouver des idées scénaristiques, mais bon. Hé, Jade, fusible à l'horizon, juste ce qu'il nous faut pour l'ascenseur. Ah. Alors, faut que je le guide de toute façon vers ce truc là-bas. Voilà. Alors ça, toi au moins, tu sais parler au concierge. Parfait, yes, stop. Et par là, il y a un cœur à récupérer. Alors l'avantage, c'est quand on récupère un AP1. Voilà, hop. On est automatiquement régénéré. Et ça c'est cool. Intrusion, intrusion, procédure de destruction. Maintenant. Procédure de destruction. C'est ce qu'on va voir. Dornebuc. Tu me surestimes, Jade. Si tu me files pas quelques AP1, je vais rester un boulet pour toi. Donne-moi ton signal, Jade. Non, non, il va exploser. Allez, casse-toi. Ah, ça me fait mal au cœur. Taper sur ces petites merveilles de la mécanique. Bon, alors, je sais qu'il y a deux... Enfin, il me semble, si je me souviens bien, qu'il y a deux fusibles à récupérer. Parfait. Yes, stop. C'est ça. Il y a une boîte de K-Bops là-bas, donc on va le prendre, on va la prendre. Identification compte. Deux boîtes de K-Bops, on va les prendre. Une boîte de K-Bops régénère toute un Starkos régénère. Une boîte de K-Bops régénère toute votre énergie. Très bien, donc on a le fusible et on va pouvoir aller réparer l'ascenseur qui va nous guider par la suite au reste du niveau. Non, c'est pas là. C'est là. D'accord. En tout cas, c'est par là qu'on doit grimper. Ah ouais, Hop. Et là, en fait... Alors, si on lui parle, en fait, il nous dit qu'il manque un peu de courant. Voilà. Paige, j'ai trouvé du courant. Je sais pas si ton installation est bien aux normes, mais on va être vite fixé. Ça a l'air de marcher, Jade. Mais j'ai vraiment de la bricole, ce truc-là. Ça tiendra pas longtemps.
Ok, on appelle l'ascenseur. Ascenseur, ascenseur. Non, je sais, la blague était trop... Et un peu trop vieille. Bon. Eh ben, finalement, on s'en sort pas mal, partenaire. Oh, t'emballe pas trop, Jean. Si tu veux mon avis, les festivités n'ont pas encore commencé. Ouais. Ça commence à se corser. Au fait, Chad, tiens, l'autre jour, il y avait aussi ça qui était arrivé pour toi. Tu jetteras un œil. Hey, t'aurais pu me prévenir. C'est sûrement du boulot. Oui, c'est sûr. Excuse-moi, mais il y a eu tellement de trucs, Jeanne, tu sais. Je spoil pas sur ce qu'est le... comment le M-disque qu'ils viennent nous fournir. C'est des monstres d'hommes, des mecs qui semblent chez nous. Oula. Jeanne, ça va pas mal, ma petite poule. Sans toi, je crois bien que j'étais cuit comme un jambon. Bon, je sais que normalement je devrais donner à Starkos, mais de toute façon je sais que de toute façon il va pas tarder à lui arriver quelque chose. Planquer surtout. On doit d'abord évaluer leur force de frappe. Bon, alors voilà, on sait que... Bon, ah oui, alors il y a une preuve à prendre là-bas. Donc le rayon X qui affiche le... qu'il y a quelqu'un dans le... un truc dans la salle d'embarquement, je sais plus ce qu'il y a... il n'y a pas grand chose, mais on y reviendra plus tard. Le rat, je l'ai vu, mais... Et voilà, et on a une carte. Donc on a l'objectif, on a tout ça. Et là-bas, il y a le rat normalement. Je suis un peu trop loin. Toujours. Il est assez chiant parce que si je me rapproche trop, il se casse et je peux plus le photographier. Ah dommage, allez un petit pas encore. Voilà. Parfait, je l'inclus dans la liste. Allez, plus qu'une créature et j'ai encore une perle. Attention à la tête. Bon. Donc, que je me souvienne. Donc, en fait, il faut passer par là, je crois. Ouais, c'est ça. Arrête de pousser. Bon.
Ah là, ça arrête de pousser aussitôt, bon. Et là-bas... Hop, un petit coup de disque. On est bon, on est bon. On va sauvegarder avant de regarder le même disque de Page. Allez, petite séquence émotion. Dad, tu as hérité du courage et de la générosité de tes parents. Tu sais, je pense souvent à eux. C'était des amis très proches. Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Nous avons débarqué. Oups, attends, excusez-moi. Il y a 20 ans, nous avons été contraints de nous séparer parce que nous avions tous de gros problèmes avec les autorités. Tes parents t'ont confié à moi pour te sauver la vie. Nous avons débarqué sur Elis. À l'époque, c'était une planète pacifique. J'espérais pouvoir t'y élever à l'abri. Mais le conflit s'est généralisé. Maintenant, il faut que tu saches quelque chose. Si j'ai pu venir ici avec toi, c'est grâce au Beluga, le vaisseau spatial que nous avions conçu, ton père et moi. Il existe encore, mais j'ai pas tout à fait fini de le remettre d'aplomb. Tu trouveras le check-up sur mon bureau. Le Beluga est chez nous. Il faut rentrer un code dans chacune des deux consoles pour ouvrir la planque. Je peux pas t'en dire plus sur ce M-disque, mais j'espère qu'il te sera utile si un jour tu dois te servir du Beluga. Quoi qu'il arrive, bonne chance à toi, Jade. Oncle Page. Ok, allez. Hop, ici, il y a une grille qu'on peut dégommer. Un petit coup de contrôle, et on est parti. Mademoiselle Osiris, il y a des gardes dans tout le secteur. Ne vous faites surtout pas repérer. On se retrouve plus loin, à tout à l'heure. Tout va bien. Shuni, Double H nous a prévenu pour Page. Il l'a vu entre les mains des sections Alpha. Ne perds pas espoir, Shuni. Boucle le reportage. C'est comme ça qu'on pourra sauver Page. Intrusion ! Intrusion ! Fausse alerte ! Quel con sera. Bon. Alors, j'ai vu, là-bas, il y a... Donc, attendez que je dise pas de bêtises. Normalement, si je percute la bonbonne de celui là-bas... Je peux... Voilà. Démolir les deux. Donc là, c'est encore c'est facile. Là. Les deux premiers, ils sont assez faciles. Mais après, il y a des situations pour toucher les deux. C'est quasiment impossible. Oups. J'ai raté apparemment. Et ce qui est chiant, c'est que comment? C'est que la prochaine sauvegarde, c'est après les trois tableaux. Je crois qu'il va se ramener jusqu'ici. Non. Bon. J'ai la chance. Il
Allez, vite, je vais le percuter avant. Putain. Je vais le percuter avant qu'il se casse. Bon, trop tard. Ça vient de là-bas. Ah, mais pourquoi j'arrive pas à l'avoir? Ah, c'est pas vrai. Allez. Merde. Je sais même pas par où je suis passé. D'accord, ok, bon. C'est bon, je vais l'avoir. C'est bon. Ouh. Voilà, donc vous voyez, c'est parfois assez difficile. Faut s'y reprendre plusieurs fois. Bon, après, il y a toujours la technique d'aller bourriner, mais bon, pas terrible. Je me souvent cela jouer furtif. Cela par exemple. Arrête-toi de marcher, idiote. Bon. Bon, de toute façon, je peux rester contre le mur et il va pas me repérer. Donc, ils sont un peu cons aussi, eux, hein. Oula, il a fallu prendre des dégâts. Normalement, si je dis pas de bêtises, il y a un troisième tableau. Ah non, c'est bon. Mademoiselle Osiris, je suis coincé par les flammes. Alors, que je dis pas de bêtises. Donc, je peux aller sauvegarder et puis on le fait passer. Donc, je veux juste sauvegarder, c'est pour éviter de me foirer. Oh, zut, tais-toi. Donc on le fait passer et on passera à l'épisode suivant. Oui, écraser le fichier, oui. Donc faut savoir que comment que ce coéquipier là donc a une armure et que cette armure a la faculté de passer à travers les rayons rouges comme les rayons rouges ici là. Voilà. Bien reçu. Ouais, je re-sauvegarde une fois. Bah écoutez, vu que je sauvegarde et qu'il reste encore une minute au chrono, on va encore continuer jusqu'au suivant. Ok. Mademoiselle Osiris, si vous n'avez pas d'autre choix, faufilez-vous dans le dos des gardes et frappez leurs bonbonnes de respiration. Elles ont un défaut. Ouais, merci, j'avais repéré. et ça c'est quoi ça? Ah oui tiens, hop. Ouais donc c'est la désactivation totale de du truc, ok. Ça a pas l'air d'être par là, ça a plutôt d'être par là qu'il faut s'infiltrer. Ah, il y a une ombre là-bas. Bon.
Il n'y a rien par là. Et donc le... Mon chrono s'arrête, donc on s'arrêtera au prochain checkpoint. Se décrocher. Et on va bousiller lui. J'adore, c'est parce qu'il gueule et puis ça fait rien. Personne n'entend quoi. C'est... Donc lui c'est assez simple. Donc on va attendre, voilà, donc il regarde dans notre direction. Hop, on regarde par là. On passe à l'aise. Donc on n'est pas obligé forcément de tous les tuer quoi, c'est pas... C'est loin d'être une obligation. À toutes les patrouilles, conservez vos postes et restez en alerte. Interceptez et détruisez. Il me semble que j'avais vu un... Ouais. Par là, qu'est-ce qu'il y a? De quoi sauvegarder? Donc, eh ben, écoutez, on va s'arrêter ici. Et puis, ben, je vous dis... rendez-vous à l'épisode 7.